Et me revoilà de retour pour une petite vidéo rapide comme ça du soir. Je vais essayer de regarder la caméra, mais c'est donc ça. Alors oui. Alors, il semblerait que ils sont en train de nous faire le scénario de 2017. Ok. Donc en gros, ce que je disais il y a quelques vidéos de ça. Donc il se peut fort qu'ils nous fassent en fait le même scénario que le Canada. À moins qu'il se passe quelque chose entre les deux tours, mais il y a de fortes chances pour qu'il nous fasse le scénario du Canada. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec le président directeur général, encore une fois. Alors, mon propos, c'est de dire, okay, on doit laisser le bénéfice du doute au bureau de vote. Une fois que c'est transféré, centralisé, et que ça va sur un ordinateur, ça passe par l'informatique. Là, on peut se poser des questions. Puis c'est là que peut-être que le scénario à la Trude, il va se faire. Petit rappel, donc Justin Trudeau, là, le premier ministre canadien, qui est un petit peu vilifié, pas tort, par la population. Il y a eu des élections et comme par hasard, il est repassé. Pourtant, personne ne pouvait le supporter. Okay, là, c'est la dictature au Canada. Alors, pour la petite histoire, les Canadiens, ils sont toujours dans leur camion, ils sont toujours en train de manifester quand même. Personne n'en parle, mais voilà. Ils lâchent pas la grappe. Puis aussi un truc intéressant. Alors moi, j'ai vu ça apparemment sur le mur de Pagaille Robin, vous savez. Apparemment, il semblerait que les médias belges, apparemment, donc ils ont dit que avant la fin de la clôture de tous les bureaux de vote, qu'il y avait quand même 65% des personnes qui s'étaient passées. Donc là, je viens de voir, il y aurait 35% d'abstention. Là, je me dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, c'est clair que le choc, il va arriver. Là, ça va être situation de choc. Ça fait quand même beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre. On va me dire oui, mais ah, il y a un certain qui me dit oui, mais tu comprends pas parce que pour que les faire changer les choses, fallait se déplacer pour que s'assurer qu'ils passent pas. Fallait se déplacer pour s'assurer qu'ils passent pas. Savoir rêver, hein. Moi, je dis, faut aussi comprendre que il y a un scénario qui se passe. Les poteaux, et déjà ils avaient un scénario à la base. Que même si c'est plus les poteaux qui gèrent le scénario, il se passe tellement de choses que les gens ils comprennent tellement pas en France que là il faut aller, c'est une méthode de choc quoi, il faut aller au choc. Donc en gros, comme je dis, il y a quand même 65% de la population qui n'a pas compris que tous les gens qui ont déposé des listes, ok, faut se poser, alors hein, apparemment il y en avait 12, vraiment se poser les vraies questions sur ces personnes. Okay. Et pour vous dire, je connais pas les noms des 12 candidats. J'ai juste vu qu'il y avait 12 panneaux. J'ai même pas regardé la littérature. Mais les plus connus, les plus reconnus, il faut quand même se poser des petites questions à la base. Aussi, il faut se rappeler que les poteaux, c'est pour ça que je les appelle les poteaux. Donc, ils utilisent les mêmes systèmes dans tous les pays, hein, que ce soit dans une république bananière ou dans un pays entre guillemets occidentalisé. Je sais pas comment il faut dire. Vous voyez ce que je veux dire? Non, des pays ultra développés. Tellement développés que les poteaux, ils manipulent tout. En fait, l'ultra-développement, il est sanctifié par le système des poteaux. Donc oui, donc aux États-Unis, donc nous, il y a le même système électoral. Alors c'est pas les mêmes lois, mais dans les faits, puisque c'est les poteaux qui gèrent en arrière-plan, après ça se termine pas. Et donc en gros, alors quelquefois il se passe des trucs au niveau des bureaux de vote, mais après tout est transféré d'un point de vue informatique, et puis hop, il se passe des trucs. Et puis ça donne des résultats assez bizarres. Moi, ce que je fais la comparaison à l'heure actuelle, donc là, il y a les primaires, je sais plus trop quoi, aux États-Unis. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont fait quand même relativement, entre guillemets, assez de ménage pour que, effectivement, maintenant, quand les gens se présentent pour aller voter, il y a du ménage qui est fait. Okay? Donc, apparemment, ils se disent que, normalement, réellement, normalement très prochainement, il y aura une vraie représentation de ce qui s'est passé en 2020. C'est-à-dire que partout, ça sera revu.
républicain. Mais en France, on n'est pas encore tout à fait dans ce scénario-là. On a quand même les Poutous et les Soufifs qui sont bien intégrés. En gros, ça donne que 65% des personnes ils vont voter pour des gens qui, j'allais dire des repris de justice, pas tout à fait, mais des gens qui sont pas bons comme neige, quoi. Ils font partie des Poutous, tout bord confondu, font partie des Poutous, okay, qui ont clairement pas fait leur recherche depuis 2 ans. De toute façon, c'est pas grave, hein. Ça sera recherche forcée parce que je crois comprendre que il se peut qu'on se retrouve encore confiné. Ça pourrait faire partie du plan. Après, tout ça, tout dépend de comment le plus grand nombre réagit, si le plus grand nombre se réveille. Donc moi, je vais te dire ce que j'ai dit lors de la dernière vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'à mon avis, comme j'ai dit, j'avais entendu une rumeur, hein, comme quoi il n'y aurait pas. C'est une possibilité, mais je me dis c'est que si ils ont continué, parce qu'à mon avis c'est un plan qui bouge d'heure en heure en fonction de ses actions-réactions, et là réellement je pense que c'est si on considère que ils ont quand même fait énormément de ménage parmi les poteaux, c'est clair qu'il y a encore les sous-fifres, mais réellement pour moi je dirais l'élément entre guillemets encombrant c'est la population, dans le sens que le plus grand nombre ne comprend réellement pas ce qui se passe. Donc par rapport à ça, je pense qu'ils établissent une stratégie, d'où la nécessité ultra douteuse pour moi de tenir ces élections. Donc apparemment, ils avaient même reculé les dates, mais bon. Et comme je dis, quand je dis nécessité douteuse, déjà je comprends pas qu'à la base, le président directeur général a pu déposer une liste. Hein. Je dis ça depuis des vidéos, ça fait des mois que je dis ça, je comprends pas qu'il puisse. Et donc pour moi, juste lui en dépôt de liste, okay, pour moi, ça invalide toute élection. C'est une élection illégitime. Et après, comme je vous disais lors de la précédente vidéo, allez sur mon compte Twitter où j'ai retweeté un post de Magali Robin où il y a eu un référé qui a été déposé le 8 de ce mois, le 8 avril, vendredi, pour je crois, pour annuler les élections sur la base que ben, le président directeur général, hein, okay, il n'est pas blanc comme neige, donc on n'est pas sur juste détournement de fonds, corruption, patati, on est sur autre chose, notamment ce que ça rend par arrêter, je dirais moi, ce que j'appelle un crime contre l'humanité et la trahison. De toute façon, il n'est pas tout seul. Je disais, moi, je me posais énormément de questions sur l'élection, parce que je pense que la plupart des candidats, effectivement, on peut leur apposer le mot trahison à côté. Ça, mais je dis rien, comme je dis. Ça, mais je dis rien. Moi, après, voilà, j'ai essayé de comprendre ce qui se passe. Et sans l'ombre d'un doute, je me suis dit, il y a des mois de ça, que ces élections ne pouvaient pas être. Elles ont été. Et je répète, je pense que c'est à cause de la manière dont la population française réagit. C'est-à-dire qu'elle comprend que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Et là, je m'arrête là. Et je vous dis à la prochaine vidéo.